soutenir nos apprentis comédiens. Chaleureusement. Ils sont un peu stressés. Alors on va vous présenter ce soir des morceaux choisis d'un peu tout ce qu'on a fait durant la nuit. Alors vous verrez pour ceux qui ont le programme, vous partagez. Il y a beaucoup de textes de Prévert, que ce soit des poèmes ou d'autres choses plus élaborées. Bien, parce que Prévert, c'est facile à apprendre, déjà. C'est court, avec quelques soucis pour l'apprentissage du texte. Et c'est surtout très imagé, très visuel, et ça appelle très facilement une mise en scène. C'est vraiment un outil, un matériau pratique pour le théâtre. Alors, par contre, on va faire un petit truc que je ne fais pas à chaque fois. Vous allez être les témoins privilégiés du genre de travail qu'on fait dans une séance standard, on va dire, au cours de l'année, comme ça que vous n'avez pas pu exactement savoir ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'ils font donc pendant ces cours de théâtre? Je ne suis pas sûre qu'ils racontent tout, en connaissant un peu. Donc voilà, on va vous faire un petit peu, parce que c'est vrai qu'en dehors des textes, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On apprend à être à l'aise sur scène, à être à l'aise avec les autres, devant un public, à savoir se tenir, à savoir projeter la voix, à savoir être concentré, efficace, à l'écoute, voilà, et puis voilà, être réceptif, on va dire, à l'autre et aux autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et on a des petits exercices très ciblés comme ça, et très ludiques évidemment, parce que ça reste du théâtre, ça reste dans la vie qu'on joue, hein, comme du jeu, tout ça. Hein. Donc voilà, on va montrer un petit peu un échantillonnaire de tous les petits exercices théâtraux qu'on peut faire. Et puis en plus, comme ça va être un peu de souffler un petit peu. Et puis après, place au spectacle. Je vais vous demander d'éteindre vos portables. Merci de la demande. J'espère que vous m'avez éteint. Et puis, à l'issue de notre présentation, vous serez conviés à un petit verre de l'amitié dehors. On a des tables. Et si vous voulez vous joindre à nous pour discuter avec les artistes, ce sera avec grand plaisir. Voilà. On y va. Premier exercice. Hop. Thank you.
Ok. Premier signal, sur le client. Et vous suivez. Il ne faut pas distraire. Le prochain, je dirais, vous commencerez à le suivre et au deuxième signal, vous imiterez sa démarche. Eliel. Attendez le deuxième signal. Dernier exercice, sinon vous allez être fatigué, ça va marcher, marcher, marcher. C'est physique, le théâtre, mine de rien. Hein. C'est du sport en même temps. Les statues. Alors, on est comme dans un musée. La salle de Rodin, de qui vous voulez. À mon signal, je vous donnerai par contre un sentiment à traduire en statue.
qui a reçu une très très bonne nouvelle. Et il avait raison.
avec sa raison sans doute, ce n'était personne. Mais il comprit qu'il était seul, mais qu'il n'était pas tout seul. Et c'est là qu'il n'avait rien en personne devant lui. Pourquoi ? Qui voit bien dans sa cuisine ? Pourquoi ?
quand il y a de la lune et quand il n'y en a plus. Soit. Nous commencerons donc par les voyelles. Il y a 5 voyelles ou voix. A. Qu'entend tout cela? La voix A se forme en ouvrant fort les mâchoires. A. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas de celle du haut. A. E. A. E. Ah, que cela est beau! Les voix I, en écartant encore davantage les coins de la bouche, de sorte à les étirer jusqu'aux oreilles et à produire un son. A, I, I, I. Cela est vrai, vive la science! La voix O se forme en bouffant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les doigts, de sorte à produire une petite ouverture circulaire. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. La voix se forme en rapprochant les dents sur les jambes entièrement. Comme tu vous faisais l'amour. Donc, si quelqu'un vous importune, vous ne saurez que lui dire. A, E, I, O. Ah, cela est formidable! Demain, nous verrons les autres lettres que sont les consonnes. Au revoir, monsieur. Au revoir. Thank you.
Merci.